Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur cette thématique du prix ton demande qui est l'une des meilleures opportunités e-commerce pour 2019, pour 2020, pour les années à venir. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est préférable de se lancer avec le prix ton demande quand on souhaite débuter sur le web, quand on souhaite se lancer dans l'e-commerce en général. Pourquoi le prix ton demande est une meilleure option que le dropshipping classique. Nous allons voir ça au cours de cette petite vidéo et on va en profiter également pour analyser les résultats de la semaine puisque j'avais déjà partagé les résultats de la mi-semaine, donc mercredi dernier, le 13 novembre. Et là, on va regarder déjà les résultats de la semaine. Donc, pour aujourd'hui, du coup, là, je tourne cette vidéo en matinée. Donc, nous sommes à 389 euros de revenus. Donc, c'est déjà pas mal. Et en général, le week-end, surtout le samedi, c'est vraiment là où il y a un pic de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui et demain, normalement, je devrais faire de très très bonnes stats. Et là, c'est bien parti. Alors, 389 euros, 16 commandes, 11 commandes et 16 articles commandés. Donc c'est très bien pour moins de 500 visiteurs. Donc ça fait un bon taux de conversion. Donc, et en général, comme je le disais, le week-end, c'est là où vous allez avoir des pics de conversion. Donc, normalement, vous êtes censé avoir de bons taux de conversion le week-end, le samedi, le dimanche. Voilà. Et donc, du coup, cette semaine, nous sommes donc à 5 826 euros de revenus. Donc, l'objectif pour cette semaine, c'est de faire plus de 6 000 euros de revenus. Comme je vous le disais dans le cours précédent, ce qui est important, c'est vraiment de se fixer des objectifs quotidien, donc à la journée, et des objectifs à la semaine. Chaque jour, vous devez vous dire, je dois faire un chiffre d'affaires aux alentours de temps, et chaque semaine, je dois faire un chiffre d'affaires aux alentours de temps. D'accord? C'est très important. Et ne pas se fixer du coup des objectifs mensuels, puisque mensuel, c'est beaucoup trop loin. C'est sur 30 jours, il faut attendre 30 jours pour voir si on a fait de bons résultats, si on a un bon score, et pour voir qu'est-ce qui a péché et qu'est-ce qu'il faut changer. Ça prend beaucoup trop de temps. D'accord? Il faut vraiment avoir des objectifs journaliers et hebdomadaire. Du coup, vous savez beaucoup plus rapidement ce qu'il faut changer, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut améliorer, quel prix est meilleur, quel design ne se vend pas, etc. Et du coup, vous allez améliorer beaucoup plus rapidement votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc maintenant que c'est dit, à la fin du mois, je ferai une autre vidéo pour partager les revenus du mois. Mais rappelez-vous, ce qui est important, c'est les revenus à la journée et à la semaine. Alors maintenant, pourquoi est-il préférable de commencer avec le prix ton demande quand on se lance sur le web? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se lance sur le web, il y a plusieurs manières de gagner sa vie sur le web. Il y a plusieurs manières de générer des revenus en ligne, des revenus passifs et des revenus qui peuvent être conséquents. Il y a l'affiliation, il y a l'e-commerce classique, il y a Amazon FBA, il y a également le dropshipping. Les deux techniques les plus populaires aujourd'hui sont le dropshipping et le prix ton demande. Le dropshipping, c'est quoi? C'est le fait de vendre des produits que l'on n'a pas en stock à des clients. Alors, le procédé est simple. On va aller sourcer des produits sur un fournisseur. En général, dans 95% des cas, il s'agit de AliExpress. On va aller trouver des produits qui sont intéressants, des produits qui ne sont pas chers. C'est vraiment le site où on va trouver les produits les moins chers du marché, les moins chers du monde. Il n'y a pas moins cher que sur AliExpress. Et moins cher au détail, c'est vraiment très important de le souligner, c'est que c'est moins cher au détail, à l'unité, pour être dans un langage plus compréhensible. Et donc du coup, on trouve des produits qui sont intéressants, par exemple des montres à 5 euros. Ensuite, on va aller créer une boutique, donc en général avec Shopify, ça peut être également avec Builderall ou avec PrestaShop. On crée donc sa boutique et on va incorporer les fiches produits, on va créer des fiches produits pour les produits que l'on a trouvés préalablement. Et on va les mettre au prix de vente de 25 euros. On va ensuite faire la promotion de ces produits comme si c'était les nôtres, comme si on les avait en stock. On va faire la promotion de ces produits auprès d'une clientèle cible. Et quand des clients passent commande, donc des commandes à 25 euros, à ce moment-là, nous, on va aller passer une commande chez le fournisseur ici pour acheter le produit à 5 euros et faire livrer directement chez le client en mettant l'adresse du client. Du coup, le produit ne passe jamais par nous. Donc, sur le papier,
Cette méthode est vraiment excellente. Et effectivement, elle a bien cartonné pendant un bon moment, sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de se lancer en dropshipping en appliquant cette méthode. En tout cas, avec AliExpress, c'est beaucoup plus compliqué de se lancer. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est rué dessus. Comme c'est un business qui a eu beaucoup de popularité, tout le monde en parle et du coup tout le monde se lance dessus. Encore aujourd'hui, c'est le business model qui est à la mode. C'est le business model phare quand on veut se lancer sur le web. On ne pense qu'au dropshipping. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de produits en stock, on n'a pas de stock de produits à payer, on n'a pas de logistique à faire sous-traiter, on n'a rien de tout ça. Il suffit juste sur le papier de sourcer des produits, de les mettre sur notre boutique comme si elles nous appartenaient et de les revendre à des prospects. Et puis, quand une vente se fait, on va racheter le produit, on fait livrer et on tire une plus-value. Ici, ce serait une plus-value de 20 euros. Le problème, comme je le disais, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'effectivement, tout le monde aujourd'hui se rue sur le dropshipping, ce qui fait que la concurrence est beaucoup plus féroce. Quand on va aller faire la promotion des produits, en général, c'est sur les réseaux sociaux qu'on va promouvoir ces produits. Donc, les réseaux phares, ce sont Facebook et Instagram. Ça fait que tout le monde va faire la promotion des mêmes produits. Puisqu'ici, avec AliExpress, il est impossible de faire ce qu'on appelle du private labeling, c'est-à-dire mettre son label, mettre son logo, mettre son design, mettre sa marque sur le produit en question et ainsi le différencier. Non. Ici, vous allez prendre le produit tel quel et le faire livrer tel quel à votre client. Du coup, quand il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'autres personnes qui vendent exactement le même produit que vous, parfois moins cher que vous, et bien du coup, ça va être plus compliqué de convaincre le client d'acheter chez vous. Donc pour imaginer ça, imaginez que vous êtes sur une place, par exemple vous êtes sur le Trocadéro, donc la place qu'il y a près de la Tour Eiffel, et donc il y a plein de personnes assoiffées, il fait chaud, c'est un jour d'été, vous avez un stand où vous vendez des bouteilles d'eau, d'accord? Vous êtes seul à vendre ces bouteilles d'eau, forcément. Un jour d'été, il fait 35 degrés, tout le monde vient acheter une bouteille d'eau auprès de vous, surtout si le prix est intéressant. Maintenant, imaginez sur cette même place qu'il y ait 100 autres personnes comme vous avec les mêmes bouteilles d'eau que vous, au même prix que vous, voire moins cher que vous. Forcément, votre chiffre d'affaires va en prendre un coup. Il va être impacté au maximum. Il y a vraiment de bonnes chances que vous ne vendiez pas vos produits. Pourquoi? Parce que vous aurez du mal à convaincre les clients de venir acheter chez vous. Puisque vous ne pouvez pas, par exemple, différencier votre produit en disant que celui-là, ben, c'est une marque, il est différent pour telle ou telle raison. Ça va être compliqué. Du coup, ben, le seul moyen vraiment pour pouvoir convaincre les prospects de venir acheter votre produit plutôt que celui des autres, c'est parce qu'il est moins cher. Et après, il s'en vient une guerre des prix. Et du coup, ben, pour pouvoir marger, ça va être compliqué. Donc ça, c'est vraiment une très grosse problématique. C'est que tout le monde vend les mêmes produits et il y a de plus en plus de monde qui se lance dans le dropshipping. La deuxième grande problématique au niveau de ce business model, c'est les délais de livraison. Les délais de livraison, quand on passe avec AliExpress en tout cas, sont extrêmement longs. Ça peut aller de minimum 2 semaines quand on a de la chance à plus d'un mois. Du coup, quand vous avez votre boutique, puisque le prospect ne sait pas que vous avez sourcé vos produits sur AliExpress, pour lui, le prospect, il pense que ce sont vos produits à vous, que vous avez un stock de produits, etc. Il va commander sur votre site et il va s'attendre à recevoir son produit rapidement. Mettez-vous à la place d'un client. Je pense que vous avez tous déjà fait des achats en ligne. Et en général, quand on achète en ligne, on veut recevoir son produit le plus rapidement que possible. C'est d'ailleurs un argument marketing pour toutes les boutiques e-commerce, c'est que les délais de livraison se font en 3 jours, en 4 jours, etc. Ici, il faut compter minimum 2 semaines à plus d'un mois. Donc, quand un client passe une commande auprès de votre boutique, le temps passe, le temps passe, le temps passe, il ne reçoit pas son produit, il peut commencer à se plaindre, c'est-à-dire à vous envoyer des mails, à vous menacer, à aller polluer vos réseaux sociaux en disant que vous êtes une escroquerie, une arnaque, etc. En faisant de la mauvaise publicité pour vous sur les réseaux sociaux, en disant de ne pas acheter chez vous, etc. Voilà, si vraiment vous n'avez pas indiqué que les délais de livraison sont longs, eh bien, vous allez avoir de gros problèmes avec vos clients.
Et même en indiquant que vos délais de livraison sont longs, du coup, vous allez perdre beaucoup de clients parce qu'ils ne veulent pas attendre tout ce temps pour recevoir leur commande. Ils vont aller du coup sur Amazon pour avoir le même produit, un peu plus cher certes, mais livré beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ensuite, même si le client ne se plaint pas, quand il va recevoir son produit au bout d'un mois, il sait que les délais de livraison sont beaucoup trop longs. Ça signifie qu'il ne va pas racheter un autre produit sur votre site parce qu'il n'a pas envie d'attendre un mois à chaque fois pour pouvoir recevoir ses produits. En gros, il va être très difficile de fidéliser vos clients avec du dropshipping en passant par AliExpress. Ça va être très, très, très difficile parce que personne n'aime acheter des produits qu'ils vont recevoir un mois après. La première fois, ça passe, mais après, ils sont avertis. Ils savent que ça ne sert à rien d'acheter sur votre site des produits que de toute façon, ils vont pouvoir retrouver ben, exactement les mêmes sur Amazon. Il est même préférable de vendre sur Amazon les produits puisque sur Amazon, vous allez les faire stocker dans les entrepôts d'Amazon qui vont livrer en 2-3 jours vos clients. Du coup, les clients vont aller sur Amazon et vont trouver exactement les mêmes produits que vous, puisqu'il y a d'autres personnes comme vous qui, au lieu de vendre en dropshipping avec leur boutique, préfèrent passer par Amazon, font stocker les produits, les mêmes produits que vous. Ils vont les sourcer au même endroit, donc sur Alibaba cette fois-ci, les mêmes produits, ils vont les faire stocker dans les entrepôts d'Amazon, et quand une commande est faite, Amazon va se charger de toute la logistique et va livrer les clients en 2-3 jours. Du coup, ben, il n'y a pas photo, les clients, vous allez perdre beaucoup de clients. Quand vous allez vendre ici, ça sera en général, dans la majorité des cas, ça sera du one shot, c'est-à-dire que le client va acheter une fois. Mais après, il va constamment falloir chercher des clients, des nouveaux clients, des nouveaux clients, des nouveaux clients, plutôt que de chercher à fidéliser ces mêmes clients. D'accord, donc ça c'est la seconde grande problématique avec ce business model. Et la troisième problématique avec ce business model, c'est évidemment la qualité des produits. Il s'agit ici de produits qui viennent de Chine. Donc vos prospects, quand ils vont recevoir les produits, ils vont voir tout de suite que le packaging vient de Chine, puisque vous ne pouvez pas personnaliser le packaging laissant payer avec votre marque. Ils voient que le produit il vient de Chine. Ils voient que le produit n'est pas forcément de bonne qualité. Du coup, il est déçu. Et là encore, le client, il achète un produit, il le reçoit au bout d'un mois, le produit vient de Chine et le produit est de mauvaise qualité. Ben là encore, vous avez perdu un client. Dans le meilleur des cas, il va se taire, mais il ne reviendra plus sur votre boutique. Et dans le pire des cas, il va aller faire de la mauvaise publicité pour votre marque sur les réseaux sociaux. En somme, aujourd'hui, tout cela mis bout à bout, cela fait que c'est très compliqué de se lancer en dropshipping avec AliExpress, en tout cas, comme premier business. Ce n'est pas impossible, il faut chercher d'autres fournisseurs, il faut appliquer d'autres stratégies, mais en tout cas, appliquer ce business model-là, ça va être très compliqué. Surtout pour un débutant qui n'a aucune expérience en e-commerce, qui ne sait pas vendre sur le web, cette stratégie risque fort de le dégoûter. J'ai eu pas mal d'élèves d'ailleurs justement qui ont eu de mauvaises expériences avec le dropshipping, qu'ils aient acheté des formations ou pas. D'ailleurs, ils ont eu vraiment de mauvaises expériences, ils se sont cassés la figure parce que n'oubliez pas une chose, c'est que même si vous ne payez pas les stocks de produits ici, il va quand même falloir payer pour attirer du trafic qualifié vers vos offres. Donc si vous payez des milliers d'euros pour attirer du trafic qualifié vers vos offres et que votre boutique n'est pas suffisamment professionnelle et que les clients voient que les produits sont livrés en un mois, vous allez perdre beaucoup de clients et du coup ça va être plus difficile d'avoir des bons taux de conversion, tout en sachant qu'à côté, il y a d'autres personnes qui ont d'autres stratégies pour vendre les mêmes produits moins chers que vous. Du coup, c'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, le prix ton demande est une meilleure alternative. Le prix ton demande, je pense que vous savez ce que c'est tout simplement une version améliorée du dropshipping où cette fois-ci, plutôt que de vendre des articles en tout genre, vous allez vendre des vêtements, vous allez vendre des casquettes, vous allez vendre des draps, des chaussettes, des maillots de bain, même des montres, des chaussures, etc. Et vous allez pouvoir mettre votre marque dessus. Vous allez pouvoir personnaliser ces produits. Mettre vos designs, mettre vos logos, mettre votre marque, créer un univers. Vraiment, vous allez pouvoir créer littéralement votre marque de vêtements, votre marque de chaussures, votre marque de casquettes. Le tout sans avoir de stock, sans que les produits ne passent par vous. Vous n'avez pas de stock. Simplement, vous allez mettre votre design sur les mockups de produits.
Vous allez faire la promotion de ces produits auprès de votre clientèle et quand votre clientèle passe commande, cette fois-ci, le fournisseur reçoit automatiquement la commande sans que vous n'ayez rien à faire. Il va imprimer le design sur le produit en question et l'envoyer directement chez le client. Tout ça se fait de manière automatique. Vous n'avez rien à faire, pas d'application, rien. Tout ça fait de manière automatique. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand le client passe commande, c'est le fournisseur de prêt en demande qui va encaisser le paiement. Ça signifie que d'une part, vous n'avez pas besoin de Stripe, pas besoin de PayPal, ce n'est pas vous qui encaissez les paiements, c'est le fournisseur qui encaisse les paiements et il va déduire automatiquement le prix de le coût de production du produit, du coût de vente finale du produit et il va vous reverser directement vos gains, votre plus-value, vos bénéfices. L'argent que vous allez recevoir, ça sera vraiment vos bénéfices. Vous n'avez pas besoin de débourser de l'argent pour acheter les produits. Puisqu'en dropshipping classique, quand des clients passent commande sur votre boutique, non seulement vous devez avoir Stripe pour encaisser les paiements, mais en plus vous devez avoir un fonds de roulement, vous devez avoir de l'argent sur votre compte pour acheter le produit sur AliExpress et le faire livrer chez votre client. Puisque quand vous allez encaisser votre paiement avec Stripe ou PayPal, vous n'allez pas recevoir le paiement directement sur votre compte. Il faut compter 7 jours pour recevoir l'argent directement sur son compte. Mais vous n'allez pas attendre 7 jours pour pouvoir passer commande. Vous devez passer commande immédiatement pour que le client puisse recevoir son produit au plus vite. Du coup, vous devez avoir déjà une somme d'argent pour acheter les produits. Si vous avez 1000 commandes sur votre boutique, vous devez avoir suffisamment d'argent pour passer 1000 commandes ici et les faire livrer. Avec le prix qu'on demande, même si vous avez 1000 commandes sur votre boutique, eh ben c'est le fournisseur qui encaisse le tout. Il fait produire, il envoie et il vous verse votre plus-value. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme je vous le disais, avec le prix qu'on demande, vous allez tout simplement mettre votre logo, votre design, votre marque sur des vêtements donnés. Vous allez faire la promotion de ces vêtements et quand des prospects vont acheter le produit, la commande va être passée automatiquement chez le fournisseur qui se charge de absolument tout et va vous reverser vos gains. Du coup, le prix qu'on demande présente pas mal d'avantages. En premier lieu, donc, vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents grâce à votre marque et grâce à vos designs uniques, puisque chaque personne aura sa marque, chaque personne aura ses designs, chaque personne aura ses logos et va pouvoir créer son univers autour de sa marque et ainsi créer de la valeur ajoutée autour de sa marque, augmenter la valeur perçue de sa marque et vendre ses produits et également vendre ses produits beaucoup plus cher. Un autre avantage que vous avez ici avec le prix de demande, c'est que comme tout le monde se rue sur le dropshipping, cela crée vraiment un boulevard pour ceux qui souhaitent se lancer sur le prix de demande. Même si je publie ces vidéos où je vante les mérites du prix de demande, je sais très bien que beaucoup de personnes vont quand même aller se diriger vers le dropshipping puisque c'est vraiment ce qui est à la mode. Et c'est une bénédiction puisque au final, peu de personnes se lancent en prêt en demande, surtout en francophonie, et du coup, il n'y a quasiment pas de concurrence. Chaque personne déjà a sa marque, mais en plus, il y a peu de personnes qui se lancent en prêt en demande. Ça fait que vous avez peu de concurrence, et le peu de concurrents que vous avez, eh bien, vous allez pouvoir vous différencier d'eux. Et ça, c'est magique. C'est également l'une des raisons pour laquelle le programme Prêt en demande Academy Volume 2 n'est disponible que pour une poignée d'élèves et n'est pas disponible pour une durée indéterminée. Parce que je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos méthodes et que tout le monde soit en concurrence avec tout le monde. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vraiment vous ayez un avantage sur tous les autres qui se lancent en dropshipping. C'est que vous avez vos produits, votre marque. Peu de personnes se lancent en prêt en demande, ça crée un boulevard, vraiment un boulevard, et ainsi vous allez pouvoir générer des ventes beaucoup plus rapidement. Vous allez proposer des délais de livraison qui seront beaucoup plus acceptables. En tout et pour tout, ça prendra à peu près une semaine par rapport à AliExpress qui prend en général un mois pour livrer les produits. Donc il n'y a clairement pas photo ici. Quand vos prospects qui voient qu'ils vont être livrés rapidement, ils aiment votre logo, ils aiment vos designs, ils aiment votre marque, ils se sentent affiliés à votre marque, ils achètent tout de suite. Et ainsi, vous allez pouvoir fidéliser beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement vos prospects. Vous allez pouvoir les transformer en clients et transformer vos clients en clients fidèles, c'est-à-dire des clients qui rachètent tout au long de l'année parce qu'ils savent
déjà que vous avez, ben, vous allez créer à chaque fois des nouveaux concepts, des nouveaux designs, des nouveaux logos, et ils vont être livrés rapidement. Du coup, avec une bonne stratégie de marketing d'influence et une bonne séquence d'emails automatique, vous allez pouvoir faire des revenus exceptionnels rapidement. Du coup, pour se lancer en prêt-on demande, vous n'avez pas besoin de stock de départ, vous n'avez pas besoin d'un énorme budget, vous n'avez pas besoin d'une boutique Shopify, puisque comme vous le verrez dans le programme complet et à travers les vidéos de l'Africom Academy, il est possible, même préférable, de faire du prêt-on demande sans boutique en passant uniquement par des plateformes. Il y a Tizili, qui est l'une de mes plateformes préférées pour pouvoir générer des revenus en ligne. Donc Tizili. Tizili, qui est une plateforme francophone où vous allez pouvoir non seulement sourcer des designs, avoir des idées de niche, mais vous allez pouvoir également ben, vendre vos produits directement sur cette plateforme où il y a déjà du trafic. Ici, il y a du trafic qualifié qui viennent sur ce site pour acheter des produits et vous venez sur ce site pour vendre ces produits. Et je vous rappelle que il y a peu de concurrence, donc il y a peu de vendeurs ici. Et donc du coup, ben, vous venez et vous êtes quasi certain de tirer votre épingle du jeu et de grappiller une part du marché à condition, bien sûr, d'avoir une bonne stratégie, puisque ce n'est pas de l'argent facile, je le répète. Vous pouvez gagner rapidement de l'argent, mais pas facilement. L'argent facile n'existe pas, que ce soit en dropshipping, que ce soit en prêt-on demande, que ce soit en affiliation, que ce soit avec Amazon. Il n'y a pas d'argent facile. Vous devez travailler. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a un prix à payer. Pour gagner de l'argent, il faut créer de la valeur, il faut travailler. C'est comme ça. Mais avec les méthodes de l'Africom Academy, avec des stratégies approuvées, vous allez pouvoir faire de très très belles choses. Vous allez pouvoir également attaquer plusieurs niches, tester plusieurs niches et voir ce qui fonctionne, voir ce qui vous plaît également. Vous allez pouvoir vendre des vêtements ben, pour des adultes, créer des vêtements pour des enfants, créer des vêtements pour des bébés. Il y a vraiment des choses de dingue ici et vous avez vraiment tout un tas de niches, tout un tas de thématiques. Vous avez l'humour, vous avez les pairs, vous avez les vegans, la musculation, vous avez le basket, le football, les militaires, les comics, le métal, vous avez les geeks. Vous avez vraiment plein, 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 plein de thématiques que vous allez pouvoir tester comme ça. Et donc, moi, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, et comme je le dis également dans le programme complet, il est préférable, surtout quand on est un débutant, quand on débute, de se lancer sur des prêt-on demande sans plateforme. Ainsi, vous n'avez pas besoin de perdre du temps à créer une boutique Shopify, à payer pour pouvoir lancer votre business, puisque avec Shopify, il faut payer un abonnement, il faut payer un thème, payer des applications. Tout ça, une bout à bout, ça commence déjà à faire grimper la note. Avec le prêt-on demande sans boutique, tout est gratuit ici. Vous n'avez pas besoin de payer pour pouvoir créer vos designs. Vous n'avez pas besoin de payer pour pouvoir vendre vos designs. Tout se fait automatiquement. Et c'est Easily qui va encaisser les paiements et vous reverser les gains. Pas de Stripe, pas de PayPal. Donc, je pense également à ceux qui sont dans des zones où Stripe n'est pas disponible. Vous avez également beaucoup, beaucoup d'idées d'inspiration ici. Par exemple, on a un thème sur Game of Thrones, Baby Dragon, Madame Potter sur Harry Potter. Là, il y a... Enfin bref, vous avez vraiment pas mal de thématiques que vous allez pouvoir tester sur cette plateforme. Il n'y a pas que cette plateforme, il y en a d'autres. Il y a Teespring, il y a Teepop, Tuntu, etc. Et quelle que soit la plateforme, les délais de livraison vont être rapides. Vraiment rapide, du coup, ça va être beaucoup plus simple pour vendre vos produits. Et en plus, ces plateformes ont déjà pignon sur rue. Donc, quand vous allez utiliser ces plateformes, c'est comme si vous vendiez à travers Amazon. Vous allez bénéficier de l'image de marque, de la notoriété de ces plateformes pour vendre plus facilement. Alors que si vous avez votre boutique Shopify, il va falloir créer une notoriété, une crédibilité autour de votre boutique Shopify. D'accord? Donc, quand vous commencez, le mieux, c'est de commencer en passant par les plateformes. Ainsi, vous ne vous embêtez pas avec la création d'une boutique Shopify. Vous vous concentrez uniquement sur la création de design, le sourcing de design, la création de design et la vente de vos produits. Je rappelle également que quand vous rejoignez le programme complet Prêt-on demande Academy Volume 2, vous recevez un pack de 250 designs professionnels libres de droit pour vous lancer tout de suite et ainsi ne pas avoir à perdre du temps
avec la création et le sourcing de design. Voilà. Donc pour résumer, le prix ton demande présente pas mal d'avantages comparés aux autres business models. Dans d'autres vidéos, je parlerai des autres business models comme l'affiliation et comme Amazon, qui sont d'excellentes opportunités également. Avec le prix ton demande, vous n'avez pas besoin de stock de départ, vous n'avez pas besoin d'un énorme budget, surtout quand vous vous lancez avec les plateformes. Quand vous vous lancez sans boutique, vous n'avez pas besoin du coup d'une boutique Shopify, c'est optionnel. Vous n'avez pas besoin de compte Stripe ou PayPal car ce n'est pas vous qui encaissez les paiements, ce sont les plateformes et les fournisseurs qui encaissent les paiements et qui vous versent directement les gains. Tout est automatisé, vous n'avez pas besoin d'Oberlo, pas besoin de passer manuellement les commandes, tout se fait automatiquement. Vous pouvez dormir et encaisser des ventes sans même le savoir. Avec le prix ton demande, vous n'avez besoin que de créativité, d'une page Facebook, d'un ordinateur et d'une connexion Internet, d'une plateforme de prix ton demande et d'une méthodologie approuvée. Puisque évidemment, comme je vous le disais, ce n'est pas de l'argent facile. Il faut suivre des stratégies qui ont fonctionné, des stratégies qui cartonnent, des méthodologies qui cartonnent. Effectivement, il faut se former. Vous pouvez très bien vous lancer à l'aveugle, mais derrière, il faut être prêt à en payer le prix, donc notamment en campagne marketing. Donc, ça sera bien plus rentable pour vous de vous former au préalable et appliquer les stratégies que vous allez apprendre au sein de votre business. Et en suivant ces méthodologies, vous allez pouvoir obtenir des résultats de dingue. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Je vous rappelle que le programme Prêt ton demande Academy Volume 2 est toujours disponible et toujours en promotion exceptionnelle. C'est plus de 15 heures de formation vidéo. Vous allez tout apprendre pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 30 jours sans stock et sans site internet. Vous allez apprendre comment faire du prêt ton demande sans boutique, sans Shopify, et également comment faire du prêt ton demande avec boutique, avec Shopify. Vous allez recevoir également un pack de 250 designs professionnels pour vous lancer immédiatement. Vous allez pouvoir les utiliser, les modifier, les réutiliser à votre guise. Ainsi, vous n'aurez pas à perdre du temps à sourcer et à créer des designs. Vous avez déjà de quoi vous lancer. Vous n'aurez aucune excuse pour ne pas vous lancer. Et grâce à ça, vous allez pouvoir générer vos premiers revenus dès les premières semaines. Donc pour ceux qui veulent se lancer, sachez que ce programme n'est pas disponible pour une durée indéfinie. Je ne souhaite pas que la francophonie tout entière ait accès à nos méthodes. Pourquoi? Car je ne souhaite pas qu'au final, tout le monde soit en concurrence avec tout le monde comme on peut le voir avec le dropshipping classique. C'est une opportunité ici. Il faut que ça reste une opportunité. Du coup, si vous voulez démarrer dès aujourd'hui avec le prêt aux demandes et générer vos revenus rapidement, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme avant la fermeture des portes. Pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!